ce qu'on me dit, on me souffle à l'oreille à l'instant que le procureur de la Couronne va très bientôt, vous avez reconnu le palais de justice à Québec, s'adresser aux différents médias. Alors peut-être qu'on va en apprendre davantage. Allons-y en direct. Nicole, restez avec nous, puis on revient tout de suite après ceci. Bonjour, je m'appelle Michel Bérubé, je suis procureur aux poursuites criminelles. Aujourd'hui, Massimo Siciliano et Nicolas Daigle ont reconnu leur culpabilité. Dans le cas de M. Siciliano, un chef d'agression sexuelle commis en juin 2021. Dans le cas de M. Daigle, un chef d'agression sexuelle commis au même moment, mais également un chef d'avoir rendu accessible et produit du matériel pour lequel une personne avait une attente raisonnable de vie privée. Ces plaidoyers de culpabilité-là interviennent, la comparution ayant eu lieu en octobre 2021, près de 24 mois après la comparution, donc, et au jour où le procès devait débuter. Alors, on est dans ce contexte-là. On ne peut pas parler d'un plaidoyer de culpabilité qui est rapide. La plaignante a, vous l'aurez compris, eu à vivre avec les appréhensions de ce procès-là et des procédures pendant toute cette période de temps-là. Et je désire souligner son courage, sa résilience. Elle est bien évidemment soulagée aujourd'hui de ce plaidoyer, mais inutile de souligner que c'est un plaidoyer qui est quand même de dernière minute. Également, je voudrais souligner que par son courage, la plaignante peut inspirer des victimes à dénoncer. Peu importe le statut de l'agresseur, que ce soit un joueur de hockey bien connu qui a gagné une coupe, ou que, peu importe de qui on parle, on invite toute victime à dénoncer. Voyez-vous, il y a une prise en charge qui a été faite par les autorités policières qui n'ont pas lésiné sur les ressources, qui ont fait une enquête complète. La Sûreté du Québec ici a fait une enquête qui était complète. D'ailleurs, l'audition de la requête pour laquelle on a eu le jugement la semaine dernière en fait la démonstration. Par la suite, du soutien du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, mais également de l'ensemble des intervenants. Donc, j'encourage toute victime à dénoncer des crimes de nature sexuelle, puisque c'est le cas ici, mais tout autre crime, quel que soit le statut de l'agresseur. Alors, essentiellement, c'est ce que je voulais vous mentionner. Si vous avez des questions, bien sûr, ça va me faire plaisir de prendre le temps d'y répondre. On comprend que la notion de consentement est au cœur de tout ça. Peut-être nous en dire un peu plus. En fait, le consentement doit être véritable, doit être valable. C'est pas quelque chose, c'est un état d'être, le consentement. Et ici, l'ensemble des faits qui ont été relatés devant le tribunal et qui ont été reconnus par les deux accusés démontrent clairement qu'il n'y a jamais eu consentement de la part de la plaignante dans ce dossier. Vous l'aurez compris, là, elle ne consentait pas à la relation sexuelle qui comprenait plusieurs gestes, des gestes très intrusifs. Que je ne relaterai pas ici aujourd'hui, mais qui ont été relatés devant le tribunal. Alors, effectivement, la notion de consentement était en cause, mais la preuve était très concluante. Sans pouvoir tout dire, parce qu'il y a des choses qui sont sous-scellées, sous ordonnance, certaines personnes auraient mis que ce soit aussi le procès d'une certaine culture toxique au hockey, et elles seront peut-être déçues de ne pas tout savoir. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ce que je comprends de cette question... quant à la culture que certains, vous avez mentionné dans votre question, là, qualifient de toxique au hockey, je vais laisser aux médias, aux journalistes et à tous les professionnels le soin d'adresser cette question-là. Vous comprendrez que moi, le procès que je devais mener est en lien avec une agression sexuelle commise effectivement, oui, par deux joueurs de hockey, oui, dans le contexte d'une victoire de la Coupe du président, mais... J'ai pas dans le dossier qu'on a monté une preuve en lien avec une culture. Mais c'est le premier depuis le scandale de Hockey Canada que vous avez suivi. Quand même, à votre avis, est-ce que ça envoie un certain message? Bien, je le souhaite vivement. Je le souhaite vivement. Et je vous ai, et votre question est tout à fait à propos,
J'ai souligné le souhait que je formule de voir les victimes venir dénoncer des crimes. Mais on peut souhaiter également que cette situation-là sera de nature à faire réfléchir toutes les personnes qui pourraient être tentées de commettre ce genre de crime-là. Parce que, inutile de le souligner, là, la vie de ces deux individus-là a basculé aujourd'hui. Et je veux dire, ça me laisse ni chaud ni froid, mais il en demeure pas moins qu'il y a quelque chose là qui mérite une certaine réflexion, une certaine attention. Alors oui, je souhaite de voir ce plaidoyer de culpabilité-là, ce dossier-là, véhiculer un message à toute personne qui pourrait être tentée de commettre ce type d'infraction. Mais aussi, il y a des gens qui savaient aussi qu'il faut dénoncer à ce moment-là. C'est important. Je ne comprends pas la question. Il y a des gens qui étaient au courant de, par exemple, des preuves qui ont été déposées. Ben, tout à fait. Tout à fait. Écoutez, les événements se déroulent dans la nuit du 5 au 6 dans le cadre des festivités entourant la victoire de la Coupe du Président. Et le 7 juin, la plaignante rencontrait les policiers pour dénoncer la situation. Alors oui, ça a été pris en charge rapidement, effectivement. Qu'est-ce qui explique qu'on arrive à un plaidoyer de culpabilité 2 ans après? C'est malheureusement, j'aimerais ça pouvoir vous le dire, là, mais moi, j'étais prêt à faire un procès. Je pense que vous l'avez tous constaté. J'étais prêt à tenir un procès, à présenter la preuve. Maintenant, c'est un plaidoyer de culpabilité qui intervient dans le contexte où, il faut le souligner, là, j'ai aucune entente par rapport à une éventuelle peine. Les accusés vont faire leur représentation, la poursuite va faire ses représentations et il n'y a pas de concession qui a été faite pour obtenir ces plaidoyers de culpabilité-là. La preuve qu'on a au dossier, finalement, a été amenée devant le tribunal dans le cadre de l'enregistrement de ces plaidoyers-là. Donc, voilà. Qu'est-ce qui est le risque? Vous dites qu'il n'y a pas eu de concession. Qu'est-ce qui est le risque comme peine pour les gens qui nous écoutent? Écoutez, la peine, c'est un exercice qui va toujours demander une réflexion. Comme je vous ai mentionné, je m'en venais faire un procès. Je m'en amenais un procès. Ma réflexion quant à une suggestion de peine est à faire. L'étude est à faire. On va également devoir consulter la plaignante en lien avec les conséquences qu'ont eu ces événements-là dans sa vie, sur elle. Mais il m'apparaît clair qu'il s'expose à une peine de détention. Puis, cela étant dit, c'est le tribunal qui va décider la peine qui va leur être infligée. Mais si on regarde la jurisprudence, il s'expose à une peine d'emprisonnement. Est-ce qu'on pourrait attendre à ce moment-là la victime témoigner dans le cadre des plaidoiries? C'est quelque chose auquel on a déjà porté son attention, là, qu'elle va devoir réfléchir à savoir si elle désire effectivement venir s'exprimer devant le tribunal ou procéder par le formulaire prévu à cet effet-là de la déclaration de la victime sur les conséquences du crime. Alors, ça, c'est quelque chose qui lui appartient, qu'elle va devoir avoir à réfléchir. Mais elle était prête à venir témoigner ou est-ce qu'elle est soulagée de ne pas avoir à témoigner finalement? Écoutez, elle était absolument prête à venir témoigner. Ça fait absolument aucun doute. Les événements sont très clairs dans son esprit. Maintenant, c'est certain que c'est toujours un soulagement que d'éviter de devoir se soumettre à l'exercice d'un témoignage. Mais j'insiste, la plaignante était prête à venir témoigner. Qui d'autre devait venir témoigner? La poursuite avait annoncé le directeur général d'éthique de Victoriaville et également deux autres témoins civils, dont une employée de l'hôtel L'Entourage sur le lac. Jusqu'à quel point la preuve technique sur laquelle on a mis beaucoup d'énergie, les vidéos, les textos, jusqu'à quel point ça a joué dans le plaidoyer de culpabilité qu'on a aujourd'hui? Écoutez, encore une fois, je ne suis pas dans l'esprit des avocats ou des accusés, mais il m'apparaît évident que ça a dû jouer un rôle. Quelle valeur ça avait pour vous, cette preuve-là? Ah, bien, c'est une preuve qui venait corroborer ou confirmer ce que la plaignante affirmait déjà. Alors, je veux dire, je peux présumer de rien. Et moi, je travaille avec la réalité dans laquelle on se trouve aujourd'hui, où cette preuve-là avait été déclarée admissible. Mais je peux vous dire que même si le tribunal l'avait exclu, la poursuite était tout à fait prête et à l'aise à tenir un procès dans ce dossier-là. Expliquez-nous
qu'est-ce qui arrive de cette preuve-là maintenant que les deux accusés ont plaidé coupable? Il y a une ordonnance qui a été prononcée par le tribunal mercredi dernier qui est toujours en vigueur. Donc, décision qui arrange probablement certaines personnes dans ce dossier-là. Écoutez, moi, je vais vous dire, ma préoccupation, c'est de faire la démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité des individus que j'ai accusés en lien avec les chefs d'accusation. Et cette culpabilité-là a été admise aujourd'hui en fonction des faits qui sont révélés par la preuve. Alors, en ce qui me concerne, je ne peux pas aller plus loin. Tout à l'heure, dans l'énoncé des faits, il était question de personnes qui ont vu des enregistrements captés à l'insu de la victime. Ma collègue parlait de l'importance de dénoncer. Est-ce que ça vous a un peu jeté à terre de constater ces faits-là, que c'est pas eux qui sont allés dénoncer, mais bien la victime qui a dû le faire? En fait, la façon dont s'anime la réflexion d'un procureur est toujours orientée en fonction de la capacité d'établir la preuve du fait qui est reproché. Alors ici, le fait que ces images-là aient été diffusées devant le public, c'est évident que ça facilitait notre capacité d'en faire la preuve.